suis là, là. Je suis le dernier rangé en haut, là. C'est lui du milieu. Ça, c'est moi, ça. J'ai des souvenirs ici. C'est ici que j'ai devenu quelqu'un d'autre. The pain is too deep in our hearts, in our minds, in our bodies. Ça va faire partie de notre vie, tout au long de notre vie. Canada has begun to face the reality of the truth of this country. Do I feel like a survivor? No. I feel like a victor. I feel like I won. I feel like that they couldn't take the Indian out of me. I don't think there's any instrument more destructive than residents and schools. These children were stolen. They were taken from their families. And they were tortured. And then they were murdered. We know that reconciliation cannot come without truth. Rendu ici au pensionnat, j'avais plus de nom. J'avais un numéro. J'avais le numéro 70. Mon lit était numéroté. Mon linge était numéroté. Et c'est ça ton numéro. C'est 39. C'est le numéro que j'aime pas. On se faisait laver la peau. Avec des brossés, là. Parce qu'ils disaient qu'on était sale. T'es brun, t'es pas sale. On nous arrosait de chimiques. On parlait de notre langue, on était réprimandés sévèrement. On recevait des coups, on était mis en isolement. Ça a été. Fallait pas que tu dises un mot d'algonquin, là. La langue des sauvages, je l'ai dit. On n'a pas été respectés là-bas. Ils ont voulu voler notre langue. Ils ont voulu voler notre identité. Puis il y en a qui ont réussi aussi. Ça a été vraiment un déracinement de linguistique, culturel, spirituel, tout. Ça a été la mise en place d'un programme d'assimilation carrément. Là. C'est un génocide. Ce qu'on a vécu, on appelle ça un génocide aussi. Quand tu détruis sa langue, la culture, sa spiritualité à quelqu'un, puis tu la remplaces par d'autres valeurs. La partie où ça a été le plus dur, je pense, c'est les abus. Moi-même, j'ai vécu des abus. Physiques, sexuels, toutes. J'ai été battue jusqu'au sein. Il y a aussi les agressions sexuelles qui se passait dans le confessionnal. On passait au confessionnal un par un. Dès là, il y avait le plein pouvoir de faire ce qu'il voulait. La deuxième année, vers la moitié de l'année après les fêtes, là ça a commencé les abus.
des attouchements. Quand on prenait notre douche, lui était là, puis il nous regardait, puis... Mettons, le soir, t'en vas te coucher, ben là, tu l'attends marcher de manière, là, que tu sais que c'est lui qui s'en vient. En fait, la première fois, j'ai vu quelqu'un se faire abuser, puis il y avait beaucoup de sang dans ses bobettes. Il avait eu l'anus déchiré, lui. C'est traumatisant de voir, je suis jeune, puis on le sait, nous autres, toute la gang, qu'on va tout passer. Tout le monde savait qu'est-ce qui se passait, mais... À un moment donné, ça a été un abus carrément. Pénétration pendant que j'étais assis sur lui. Il m'a baissé les pantalons, puis ça a été vraiment ça. Là. Puis quand je suis retourné dans ma chambre, je pense que cette journée-là, j'avais resté tout seul, toute la journée couché. J'avais trop mal. J'avais de la misère avec mes fantômes, puis trois fois, j'ai tenté de me suicider parce que j'étais plus capable de les regarder. J'étais plus capable de composer avec ça. J'étais dans l'alcool, la violence. Tout m'a suivi. J'avais des problèmes de consommation à l'époque. Je consommais de la drogue, de l'alcool. Je vivais mal ma sexualité. J'étais pas capable d'avoir une caresse d'une femme qui... J'étais pas capable. J'aimais pas qu'on me touche le corps. Ils m'ont volé dans ma jeunesse. Des abus physiques, sexuels, des abus... psychologique, il y en a toutes les sortes d'abus. C'est sûr que ces périodes-là, tu les oublies pas. C'est détruire une vie personnelle. Les séquelles vont toujours rester là. Le mal est fait. Il y a eu des excuses publiques là, du gouvernement, devant la télévision, devant la Chambre de la commune, mais ils n'ont jamais fait des excuses devant moi. C'est pas pareil. On sera pas capable de l'oublier, mais c'est de vivre avec ça. Moi, je vis avec ça. Je suis capable d'en parler. La réconciliation, ben, je vois pas comment qu'on peut le faire. Si le pape vient, c'est qui vient, s'il veut venir, moi, ça ne change rien. J'aimerais que le pape vienne s'excuser devant nous autres. Le pape, c'est le chef suprême de l'Église catholique. Ça va tourner une page. Tu gardes quand même ta valeur Anishinaabe. Tu l'as toujours. Tu nais Anishinaabe, tu vas mourir Anishinaabe. Fait que ton cœur est fait de cette vibration-là de Anishinaabe. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'on s'en est sorti. Mais aujourd'hui, le bon, que je, c'est ça, n'en parler pour pouvoir connaître la vraie histoire. C'est vraiment un test sacré. Parce qu'on a laissé nos âmes, notre vie là-dedans, dans cette place-là.